Salut, aujourd'hui on va prendre la troisième leçon, c'est les milliards. Déjà, on a appris que le neuvième chiffre du nombre, c'est le chiffre de centaines de millions. Aujourd'hui, on va ajouter une nouvelle famille au nombre, c'est la famille des milliards. Et elle est formée comme toutes les familles de nombres par trois chiffres, unités, dizaines et centaines de milliards. Maintenant, on va voir ensemble c'est quoi le milliard. Allons-y pour s'entraîner ensemble et s'amuser avec les milliards et la dernière famille qu'on va prendre cette année. On sait que le plus grand nombre formé de 9 chiffres, c'est 999 milliards, millions, pardon, 999 999. Si on lui ajoute 1, le résultat sera 1 et 9 zéros qui se lit 1 milliard. Le milliard, c'est le plus petit nombre formé de 10 chiffres et le plus petit nombre, pardon, et le plus grand nombre formé de 10 chiffres, c'est 9 milliards 999 millions 999 999. Et on peut représenter le plus petit nombre par une boule sur le bâton de milliard sur le boulier. Si on ajoute 1 à 9 milliards 999 millions 999 999, le résultat sera 1 et 10 zéros, qui se lit 10 milliards. Le 10 milliards, c'est le plus petit nombre formé de 11 chiffres. Et le plus grand nombre formé de 11 chiffres, c'est 99 milliards 999 millions 999 999. Et on peut représenter par une boule sur le bâton de milliard. Si on ajoute 1 à ce nombre, le résultat sera 1 et 11 zéros. Et on lit ce nombre 100 milliards. 100 milliards, c'est le plus petit nombre formé de 12 chiffres. Et comme ça, on a ajouté au nombre 3 nouvelles positions, unités, dizaines et centaines de milliards. On peut représenter le plus petit nombre par une boule sur le bâton de centaines de milliards. Maintenant, on va faire un exemple d'écrire en lettres et savoir la valeur et la position de chaque chiffre. Alors, on partage le nombre par famille. On a quatre familles. On dit le nombre 350 milliards 278 millions 931 1514. Comme vous voyez ici, il y a quatre familles très claires. 514, c'est la famille de centaines, 931, famille de milliers, 278, famille de millions, et 350, c'est la famille de milliards. Maintenant, on va voir la valeur et la position de chaque chiffre dans ce nombre. Alors, le 3, c'est le chiffre de centaines de milliards, sa valeur est 300 milliards. Le 5, c'est le chiffre de dizaines de milliards et sa valeur est 50 milliards. Et le 0 est le chiffre de milliards et la valeur du 0 est toujours 0, comme on a dit avant ça. Famille de millions, le 2, c'est le chiffre de centaines de millions et sa valeur, c'est 200 000. Pardon, 200 millions. Le 7, c'est le chiffre de dizaines de millions et sa valeur, c'est 50 millions. Et le 8, c'est le chiffre de millions et sa valeur, c'est 8 millions. Maintenant, le 9, c'est le chiffre de centaines de milliers, sa valeur c'est 900 000. Le 3, dizaines de milliers, sa valeur 3 000. Et le 1, c'est le chiffre de milliers et sa valeur c'est 1 000. Famille de centaines, le 5, c'est centaines, sa valeur 500. Le 1, c'est dizaines, sa valeur c'est 10. Maintenant, on peut représenter le nombre sur le boulier. Sur le bâton des unités, c'est 1. Bâton de dizaines, c'est 4, centaines, c'est 5. Milliers, 1, dizaines, 3, centaines, c'est 9. Millions, 8, dizaines de millions, 7, centaines de millions, 2 boules. Milliards, 0, dizaines de milliards, 5, et centaines de milliards, c'est 3. Faites attention! 1 milliard est égal à 1 et 9 zéros. On a dit que 6 zéros, c'est millions. Alors, c'est 1 000 millions. Un demi-milliard,
La moitié de 1 500, alors c'est 500 millions. Un quart milliard, 250 millions, trois quarts milliards, 750 millions, et un huitième milliard, 7 millions. Salut.